Le rythme dans la peau, Kalonji, Hermès, Moïse, Espoir, avec d'autres de leur âge, vibrent frénétiquement au son d'une musique très rythmée. Pur instant de magie où la vie s'est comme arrêtée, pour permettre à ces enfants des rues de Kinshasa, le temps de quelques notes de musique, d'oublier leur quotidien inhumain et insupportable. Quel bonheur de goûter à la joie simple de redevenir un enfant. La Caritas de la paroisse Sainte-Christine offre ce dimanche un déjeuner aux enfants des rues qui fréquentent quotidiennement le centre Ndakoyabiso, centre fondé par la communauté du Chemin Neuf en 2004 dans la commune de Makala, quartier populaire et très pauvre de Kinshasa. En octobre 2017, Ndakoyabiso a fêté le 2000e enfant réunifié, réinséré dans sa famille. L'aventure commence en 2003 à la demande du cardinal Frédéric Etsou, archevêque de Kinshasa, qui confie à la communauté du Chemin Neuf la responsabilité de la paroisse Sainte-Christine dans la commune de Makala. Et quand le cardinal est venu nous installer dans cette paroisse, il a vu à côté de la paroisse cette école, qui avait été une grande école, mais qui était tombée complètement en ruine. Il n'y avait plus de toiture, plus de portes, plus de fenêtres. La moitié des pupitres avaient disparu. Et il restait 250 enfants dans ces ruines. Alors, le cardinal nous a dit, je vais vous faire un cadeau. Il y a des cadeaux intéressants, il y a des cadeaux qui sont plus des interpellations. Recevoir une école en ruine, nous avons reçu ça comme une interpellation de l'Église pour faire quelque chose. Le père François Michon est responsable de la communauté du Chemin Neuf depuis août 2016. Il a vécu pendant près de 10 ans à Kinshasa, où il a fondé avec d'autres la communauté sur place. On a été conduit par la Providence pour trouver des frères et sœurs qui, engagés dans d'autres missions en Europe, ont pu soutenir cet effort. Et une fois qu'on a réalisé et réuni les moyens, on a commencé ce chantier. Et quand on est arrivé dans les ruines de cette école, on s'est aperçu que ces bâtiments étaient en fait habités par des bandes d'enfants. Les plus jeunes avaient peut-être 6 ans, les plus âgés une vingtaine d'années. Ils étaient une cinquantaine à vivre là, dormir là, manger là, et livrés à eux-mêmes. Le rond-point de Gaba, à côté duquel se trouve la paroisse, est un grand lieu de trafic, un grand lieu de transit, un grand lieu de transport, de chargement, déchargement, camions, arrêts, passages, et donc un grand lieu de concentration des jeunes de la rue. On a découvert comme ça ce que moi, je ne connaissais pas en arrivant à Kinshasa pour m'occuper des études intellectuelles de mes frères, c'était ces enfants qui étaient en complète rupture familiale, qui n'avaient plus aucun lien avec le monde adulte et qui apprenaient à survivre dans la rue pour trouver de quoi manger, en chapardant par-ci par-là, en s'adonnant à tous les trafics possibles et inimaginables, les filles en s'adonnant à la prostitution simplement pour survivre. La République démocratique du Congo, qui fait partie de l'Afrique centrale, est l'un des pays les plus vastes et les plus peuplés du continent africain. Sa population est estimée à 85 millions d'habitants, dont 12 millions dans sa capitale, Kinshasa. Après des années de guerre civile et de corruption, la pauvreté est partout. Des familles de tout le pays sont poussées à se déplacer vers la capitale, dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure, un logement décent, l'accès à l'éducation, des soins médicaux et de l'emploi. Ce n'est pas la réalité qui les attend à Kinshasa, et la pression de l'extrême pauvreté, de la faim ainsi que le manque de logement ont des effets dévastateurs sur les relations familiales.
chaque jour, papa a lu. Un jour, en rentrant à la maison, je découvre que ma mère est morte. Mon père me dit : c'est toi qui as mangé ta mère. Tu es un sorcier. Et ils m'ont conduit chez ma grand-mère. Là, j'étais bien. Mais son fils n'était pas gentil avec moi, ce qui m'a fait fuir à nouveau. On est arrivé de Brazzaville. On était au marché de Matadi Kibala quand tout d'un coup, papa et maman sont partis louer une maison et nous ont abandonnés ici. Ces enfants ont tous fait l'expérience d'une rupture familiale due à une très grande pauvreté dans la famille. Celle-ci les conduit souvent à quitter leur famille quand ils n'en étaient pas directement chassés. Beaucoup ont fait l'objet d'abus, affectifs, physiques et sexuels, et d'autres sont dans la rue à cause d'accusations de sorcellerie. Quand ils arrivent dans la rue, ils sont souvent profondément traumatisés. À Kinshasa, ils sont au moins 25 000 garçons et filles, tous âges confondus, à vivre dans la rue. Un nombre qui ne cesse de s'accroître chaque année. Dans la rue, c'est pas bien. Au démarrage, notre cœur n'arrivait pas simplement à chasser ses enfants pour pouvoir nous bâtir notre propre projet. Et au fond, on a commencé à être en relation avec eux. Le Seigneur est étonnant dans sa manière de s'y prendre avec nous. Nous étions très peu nombreux à être préparés, à être confrontés à ce genre de situation, à savoir comment gérer, comment accueillir même la misère de ces enfants. Mais le Seigneur nous les a donnés. Donc, on a évoqué avec tous les membres de la paroisse la situation qu'on venait de découvrir. Pendant une eucharistie, l'aide des mamans de la paroisse est sollicitée pour venir préparer les repas chaque jour pour ses enfants. C'était compliqué, plus difficile que ça, parce que ces enfants, dans le quartier, c'est la plaie. C'est des voleurs, c'est des chapardeurs, sont ceux qui génèrent toute une insécurité sur le quartier et qui sont souvent très très mal vus, très mal regardés et qui sont rejetés par toute la population. Et il y a eu un moment de silence. Et puis il y a une première maman qui a levé la main et qui a dit « je suis prête ». Alors une deuxième maman a levé la main, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis dix, et puis une vingtaine de mamans se sont comme ça proposés pour venir soutenir la mission, pour venir bénévolement préparer tous les jours ce repas avec les enfants. Et au-delà du simple repas, c'était pour chacun de ces enfants, les plus jeunes avaient 6 ans, les plus âgés avaient 14-15 ans, ceux que nous accueillons au centre, c'était retrouver au fond cette sollicitude maternelle, retrouver que le monde adulte n'était pas simplement ce lieu de violence qui les chasse, mais qui les accueille et qui est prêt à les accompagner dans la vie. Petit à petit, nous avons développé ensemble une méthodologie, une approche. Nous cherchions un nom pour ce centre. On cherchait des noms compliqués et les enfants entre eux disaient simplement « mais nous allons à notre maison » en Lingala. Et nous avons dit, mais c'est un beau nom, notre maison, Dakoyabiso, et donc nous avons gardé ce nom. Depuis 2005, le nouveau centre aménagé sur un vaste terrain de 2000 m², acheté grâce aux dons des amis de Dakoyabiso, accueille une quarantaine de garçons chaque matin pour la journée. C'est l'occasion pour eux de laver leur unique vêtement, de profiter d'un vrai temps de repos, de jouer, de prendre un repas et surtout d'être écoutés.
Le but d'Ndako Yabiso n'est pas de prendre en charge les enfants, mais de les réinsérer dans leur famille. Un service de réintégration composé d'éducateurs accompagne les enfants réinsérés pour les stabiliser dans leur famille. Une aide financière par le biais d'un microcrédit est accordée aux mères de ces enfants pour les aider à développer une petite activité commerciale et ainsi soutenir la scolarisation des enfants. Martin et sa femme Émilie sont infirmiers et membres de la communauté du Chemin Neuf. C'est pendant une rencontre Net for God, à l'invitation du frère Jean-Pierre, que Martin entend l'appel du Seigneur à travailler auprès de ses enfants assoiffés d'amour. J'ai été invité par Jean-Pierre. Là, il commençait à Sainte-Christine, ils accueillaient les enfants au niveau de l'école, l'école Sainte-Christine. Et c'était une soirée où il m'a invité. En arrivant, j'ai trouvé un enfant qui était malade, vraiment malade, il avait de fortes fièvres. Et avec Jean-Pierre, on s'est débrouillé, on a acheté les médicaments. Et le lendemain, quand j'arrivais, c'est lui qui était à la porte, en train de m'accueillir pour dire « Ah, docteur, docteur, voilà, je suis en forme, je suis guéri. » Alors, j'ai suivi une formation en sciences infirmières, je suis infirmier, je ne suis pas docteur. Alors, il me dit que depuis sa naissance, il n'a pas été consulté par un médecin. Alors, moi, c'était vraiment une sorte d'appel. Ça fait 13 ans que je travaille. À l'infirmerie, il y a certaines choses que les enfants ne sont pas capables de révéler aux éducateurs pendant leurs écoutes. Mais lorsqu'il est malade, il est vraiment terrassé par sa maladie. Il est capable de vous dire vraiment la vérité parce qu'il sait que là, il ne peut pas mentir. Alors les bourreaux, des fois, ils amènent les enfants ici. Et dès qu'ils sont au niveau de l'infirmerie, quand l'enfant nous dit que non, je suis incarcéré quelque part et je ne sais pas m'en sortir, nous on dit non, il est gravement malade, vous ne pouvez pas le ramener. Et c'est à ce moment-là que nous, on les garde et on peut négocier avec l'enfant pour sa réunification familiale. Depuis 2 mois, Martin et Émilie, déjà parents de 5 enfants, ont adopté une fille. Elle avait été accueillie dans le 2e centre Ndako Yabiso, à 100 mètres plus loin et réservée aux filles. Elles sont une dizaine à habiter le lieu après avoir connu, elles aussi, la vie traumatisante de la rue, contraintes à se prostituer dès leur plus jeune âge pour assurer leur survie. Plusieurs fois par semaine, comme dans le centre des garçons, les cours d'alphabétisation sont dispensés dans le but de redonner à l'enfant le goût de l'école afin qu'il croie qu'il peut y retourner et faire quelque chose de beau de sa vie. Aujourd'hui, c'est papa Théo qui anime le cours. Je dirais que pour moi, Ndako Yabiso, j'ai fait aussi ce travail-là d'une mère. Parce que je suis une maman qui a beaucoup d'enfants. J'ai fait mon expérience avec mes propres enfants. Et quand je vois ces enfants en rupture familiale où ils ne bénéficient pas de cette affection maternelle, pour moi, c'est vraiment difficile. Et j'essaye de donner ce que je suis comme une maman à ces enfants. Essayer un peu de faire les travaux, de leur montrer le travail ménager, d'essayer un peu de leur montrer comment une fille peut prendre soin d'elle-même, comment une fille peut être une fille, comment une fille qui se prépare pour devenir une maman. Moi, ma plus grande joie est que c'est cette vie qu'on donne, qu'on redonne. C'est-à-dire une personne qui était sans espoir et il reçoit encore cet espoir à travers l'espoir qu'on lui donne par rapport à Dieu qui est amour, que si aujourd'hui même sa famille ne s'occupe pas de lui, mais Dieu va s'occuper de lui à travers Ndako Yabiso. Et c'est ma grande joie parce que j'ai dit une vie qui était morte, ça commence à revivre encore. Et c'est ma joie parce que ces enfants-là, après quelques temps, ceux qui sont déjà partis dans leur maison, il y a ceux qui aujourd'hui, quand il passe, par exemple, elle est devenue couturière. Ça donne aussi l'espoir et la confiance à la famille que cet enfant qu'on avait négligé, aujourd'hui, elle sait qu'elle peut faire quelque chose dans la famille.
je suis en train de faire les études de droit. En tant qu'ex-enfant de la rue ou victime de l'injustice sociale, j'ai fait les droits. Après les droits, je dois nécessairement exercer le métier de magistrat. Je vais devenir magistrat de parquet. Et pour moi, voir des enfants dans la rue n'est ni plus ni moins qu'une injustice. Beaucoup ont tendance à croire que ces enfants-là n'ont pas droit. C'est normal parce que si on n'a jamais vécu dans la rue, on risque de croire qu'ils sont des sorciers, selon ce que les gens racontent. Mais les enfants sont les innocents. Ils manquent seulement d'amour. Parmi les belles histoires de Ndako Yabiso, il y a celle de Champion Chimanga, qui est maintenant éducateur au Centre des filles. Champion, parce qu'il a remporté plusieurs combats de boxe, a habité 19 ans dans la rue, chassé par ses oncles à la mort de son père. Il a vécu un vrai chemin de conversion et a épousé Marie. Ils ont construit leur maison et travaillent aujourd'hui tous les deux dignement pour nourrir et éduquer leurs trois enfants. Ils ont fait la session Cana, une session pour l'unité du couple animée par la communauté du Chemin Neuf. En 1995, quand j'ai perdu mon papa, je suis descendu dans la rue. Vraiment, j'avais aussi trouvé les amis qui venaient déjà au centre. Mais moi, je ne voulais vraiment pas arriver au centre. Comme j'étais stressé de voir papa est mort, nos oncles nous ont rejetés. En tout cas, j'ai gardé vraiment la haine en moi. Je ne voulais pas s'approcher même vers les gens qui pourraient m'aider. Et un jour, je me suis rencontré avec le père François. Et la parole qu'il m'avait parlé, c'est vraiment un arme là qui avait tout changé ma vie. Ça a changé ma vie. Et j'ai accepté d'accueillir Jésus-Christ dans la rue, tout laisser. Et après, quand j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai eu maintenant le courage de venir au centre, être ensemble avec les autres. Parce que je n'aimais même pas être avec les autres. J'étais seul, j'étais toujours méchant. Mais quand on m'a parlé de Jésus-Christ, tout était changé. Et j'ai eu même l'esprit vraiment d'aimer les autres, être ensemble avec les autres, montrer les autres le bon chemin à suivre. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment le travail que je fais, même avec les enfants au centre. Ce qui était très beau, c'est de sentir ce moment où Champion a demandé le sacrement de mariage. Et parce que pour lui, choisir ce mariage, c'était choisir de vivre à la suite du Christ, totalement et pleinement, et rentrer dans la société des hommes. Champion Chimanga a vécu 5 sacrements dans la même journée. Après un accompagnement de 7 années, il a été baptisé, il a pu communier au corps du Christ, il s'est confessé, il a été confirmé et il s'est marié. Un long chemin qui a pris 6 ans, 7 ans, mais qui montre à quel point le Christ est celui qui peut attirer, qui peut éclairer une âme et qui peut aider à se sortir de toute une histoire de laquelle on était prisonnière. Père François, la Sibiso habito Kendara, Kana. Père François nous a demandé de faire Kana. Aujourd'hui, grâce à ce cheminement, nous sommes devenus des personnes de référence pour donner des conseils et former d'autres couples. Avant, je ne faisais rien et mon mari Champion m'a donné un peu d'argent pour faire un petit commerce au rond-point de Gaba, pour assurer les petits besoins des enfants et de la maison, quand lui n'a pas d'argent. Après les canards, vraiment il y avait la transparence qui était entrée à notre couple. Il y avait une amitié là vraiment formidable. Et maintenant, il n'y a plus
des cache-cache, il y a toujours la vérité. Ma prière, c'est parfois que tous ces enfants-là qui ont des problèmes, un jour qu'ils vraiment qu'ils puissent avoir un sourire. Et moi, je ne savais même pas qu'un jour je vais être travailleur, je vais travailler. Aujourd'hui, je suis travailleur à Ndakoyabiso. J'accompagne toujours les filles et les garçons qui ont vécu la même vie que moi. Je veux que nous tous, nous puissions sortir vraiment du fait là qu'on a vécu. Parce que la rue n'est pas bon. Dans la rue, il y a toujours la mort. À partir de ce petit démarrage avec la paroisse, puis l'école, puis le centre pour les enfants de la rue, pour les garçons, pour les filles, petit à petit après il y a eu un centre de formation professionnelle pour les plus grands de ces jeunes qui n'arriveraient pas à retrouver une vie familiale, la mission s'est développée au-delà de notre espérance, au-delà de ce qu'on n'avait jamais pu imaginer et projeter. Et puis je crois encore plus fondamentalement, ce qui était source de joie pour moi, c'est de voir des hommes et des femmes, des frères et des sœurs de ce pays congolais qui se sont sentis appelés par le Christ pour porter la mission avec nous, pour être enseignants à l'école, pour apprendre à être éducateurs pour ses enfants, pour travailler au centre de formation professionnelle. Aujourd'hui, après plus de 10 ans d'existence, le Centre de formation professionnelle Saint-Joseph continue à accompagner et à former les jeunes en difficulté. Jeunes ont bénéficié d'une formation de qualité dans plusieurs domaines. La maçonnerie, la menuiserie, l'électricité et la soudure. Depuis 2004, une trentaine de filles sont formées chaque année en coupe et couture. Un des premiers projets du Centre Saint-Joseph a été la reconstruction de l'école Sainte-Christine. Nous avions commencé avec 2 classes. Et quand on faisait les inscriptions, il n'y avait même pas, c'était la construction. Il n'y avait même pas d'école, il n'y avait pas... Quand les gens venaient, où est le collège? On disait c'est là. Et ils voyaient les maçons. Et ils nous traitaient d'aventuriers. Mais nous, on avait la foi, j'étais avec Franchou. Et on faisait les inscriptions dehors, sur un banc. On n'avait même pas de bureau. Mais petit à petit... À la rentrée, le collège a commencé avec 2 classes et 100 élèves. Et les salles étaient encore en construction. Et aujourd'hui, nous comptons 15 classes avec 739 élèves. Et jour après jour, nous avons vu que le Seigneur était à l'œuvre. Et c'est lui qui conduisait le pas, parce qu'il nous rassurait. L'école Sainte-Christine accueille 2000 élèves de la maternelle jusqu'au lycée. Le taux de réussite aux derniers examens du baccalauréat avoisine les 100%. Dieu, dans sa bonté, envoie toujours un ange gardien pour veiller sur ses enfants. Et pour nous, cet ange gardien au collège Sainte-Christine, ce sont les maristes de l'externat Sainte-Marie de Lyon. Et non seulement ils nous aident à construire le bâtiment, mais aussi à construire la formation. C'est grâce à eux, au fait, que nous avons ce collège. Ces bijoux, c'est don de Dieu qui est installé à Makala. Il y a eu jumelage avec l'excellence Sainte-Marie et ces collèges financent la construction du collège Sainte-Christine depuis bientôt 10 ans. Ce qui m'a aidé progressivement à vivre, à m'épanouir dans cette mission, d'abord c'est de croire au petit commencement. À ses petits débuts, sans trop savoir où les choses nous conduisent. La deuxième chose qui a été importante, c'est cette phrase tirée de la vie de saint Ignace, qui se laissait conduire jour après jour par l'Esprit-Saint, « Suaviter et fortiter ».
se laisser conduire, ne pas devancer l'Esprit Saint par des grands projets que nous aurions bâtis, mais au contraire de se laisser guider par cette joie et cette force de l'espérance qui savait nous montrer et nous ouvrir le chemin à travers toutes les missions déployées par la communauté. Et puis la troisième chose qui était un vrai soutien, c'était l'adoration eucharistique qui terminait chacune de nos journées. Ce moment où nous retrouvions le rocher sur lequel déposer ce qui avait été toutes les questions, toutes les situations rencontrées, tous les problèmes de la journée. Mais Christ est là et c'est lui qui a la réponse. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le Triduum Pascal avec des jeunes. C'est la première fois qu'on peut vivre ça. Un lieu à l'écart, où il y a des jeunes JCN et puis quelques autres qui sont avec nous, pour vivre cette semaine pascale, pour vivre la joie d'être guéri, libéré, transformé par Jésus. C'est une communauté vivante, une communauté qui se déploie avec des frères et sœurs qui donnent leur vie, qui se lancent, qui ont de l'audace dans la mission. Ce n'est pas la mission des consacrés, ce n'est pas la mission seulement des engagés, c'est la mission de tous ceux que le Seigneur touche. C'est la mission de tous ceux qui disent « la communauté, c'est moi ». Donc comment je peux donner ma vie? Comment je peux me donner? Comment je peux me mettre au service? Humblement, à ma place, petite place. De l'Évangile selon saint Matthieu. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Seigneur, protège, réconforte, donne ta paix à tous ces enfants qui sont victimes d'injustice. Donne ta patience, ta force, ton courage à toutes les personnes de bonne volonté qui travaillent sans relâche pour que les exclus retrouvent leur dignité. Que nous soyons dociles et à l'écoute de ton Saint-Esprit pour répondre à ton appel là où nous sommes pour faire grandir la paix, l'amour et la justice.